mais vous vous souvenez de cette vidéo ? Si je vous montrais la création d'un business solide, genre 7 sources de revenus, plus 7 sources de revenus, plus 7 sources de revenus, et ça, tous les jours, tous les mois. Si je vous montrais ça devant vos yeux, pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois, cette prochaine année, pour faire quelque chose de bien, il faut le temps. Est-ce que je vous aurais pas fait la meilleure formation gratuite devant vos yeux depuis bientôt un an, sans que vous en rendiez compte ? Je suis sûr que vous pensiez que j'allais oublier la vidéo des 1 an. J'ai pas oublié qu'il y a un an, j'ai annoncé que j'allais faire un business devant vos yeux, et que dans un an, donc maintenant, ce business fonctionnerait, c'était la promesse. Je vous avais même dit, ça va être une formation gratuite pour vous, incroyable, et blablabla, je vous ai fait plein d'épisodes là-dessus. 1 an pour monter un business devant vos yeux. On y est presque ? C'était en novembre dernier, on est en septembre, il est l'heure de faire le bilan, savoir si vraiment c'est un business qui fonctionne, qui marche et comment j'ai fait, enfin ça vous le savez à peu près. Bon, vous venez de le voir, c'était cette vidéo il y a 9 mois, il y a marqué surf, piano, tech, badminton, tennis, là elle est là la niche, badminton. J'ai l'impression que c'est toute ma vie aujourd'hui, je fais des vidéos toutes les semaines pour ça, tous les jours même. J'ai vraiment fait un lancement il y a une semaine pour vous montrer si oui ou non ça vend sur une boutique e-commerce. J'ai trop hâte de vous montrer les résultats, parce que vous allez voir si c'était trop prématuré, si j'ai réussi, si j'ai pas réussi. Et franchement, là on est à l'épisode final. Regardant cette série et en essayant de vous projeter comme si c'était vous qui faisiez ce business comme moi je l'ai fait, vous devriez avoir les clés pour en faire un aussi. Alors, il y a des codes que vous n'avez pas vus à l'intérieur, je peux pas tout partager, c'est-à-dire concrètement comment je fais le montage, comment je mets en place les choses, quelle fréquence je publie, enfin plein de détails techniques, je peux pas les apporter, ça serait trop long et du coup ça fait partie de mes produits payants, ça reste que de l'éducatif et c'est bien moins divertissant pour YouTube. YouTube, je fais à ce côté hybride où je fais une expérience pendant 1 an où je monte un business et je vais vous montrer les chiffres que ça a fait aujourd'hui, mais en même temps, je peux pas vous montrer exactement quelle touche je clique sur mon clavier et ma souris et comment je pense les choses vraiment, parce que ça demande plus de temps et c'est un peu plus chiant. Faut des gens qui ont envie vraiment d'apprendre et pour s'en assurer, bah, c'est des gens qui payent. Et puis bah aussi pour que je sois rémunéré pour ce temps, parce que je connais pas mal de choses et je peux pas laisser mon temps partout à faire de l'éducatif gratuitement quoi. Faut trouver ce juste milieu. C'est pour ça que vous avez les coachings en 1-1 pour mettre en place un système comme je l'ai mis là et vous allez le découvrir vraiment complètement dans cette vidéo. Bah, ça se passe dans le premier lien qui est dans la description. C'est le coaching en 1-1 avec moi. Je passe mes semaines à faire ça. Donc dans ce premier épisode, je vous montrais que j'avais commencé un compte de badminton. On voit mes premières vidéos qui étaient sur l'humour, c'était pour faire de la TikTok monnaie. Et je m'étais dit, bon, bah, autant continuer sur le badminton, maintenant ça devient ma passion, j'en fais quand même tous les jours, et ben on va faire du contenu sérieux, on va arrêter les bêtises, et aussi je vais me montrer. Je m'étais jamais montré, hein. C'était un compte que j'avais monté sans montrer ma tête. Donc 3 mois plus tard, après, on a eu l'épisode 2, c'était la partie Instagram. Du coup, je me suis mis sur Insta, histoire d'avoir le renvoi des stories. C'était ça ma stratégie au deuxième plan. Vous allez voir que tout ça a du sens, hein. Le sens dans lequel je l'ai fait, c'est ce qui m'a amené, je vais vous spoiler un petit peu, aux ventes que j'ai pu faire après en e-commerce le jour J, le jour du lancement final, et je vous fais cette vidéo vraiment une semaine après que ce soit passé et je vais vous expliquer mon plan parce que j'ai un vrai gros plan et je jubile de le faire au plus vite pour mettre un gros coup de massue au marché du badminton. Donc dans cette deuxième partie, je vous montrais combien de followers j'arrivais à prendre par jour. Donc là on était à peu près à 500, des fois plus, et que le compte était monté à 14 000 abonnés. Je vous partageais à l'intérieur toutes les stratégies, je vous montrais déjà les premiers revenus qui pouvaient en dégager. Il y avait des gens qui étaient prêts à me payer 2000 euros pour des posts, etc. Et j'avais déjà facturé une story par une autre chaîne de badminton à 200 euros la story. Ensuite, pour l'épisode 3, on a parlé de la chaîne YouTube. TikTok, c'est fait. Instagram, c'est fait. Maintenant, passons à YouTube. YouTube, le nerf de la guerre, l'endroit où ça convertit le plus. Vous vous souvenez, hein ? On mange devant une vidéo YouTube. On scrolle devant des vidéos TikTok et Insta. C'est rapide. Même le comportement sur les réseaux courts, ils sont pas le même. Souvent, je vais être comme ça et puis je vais scroller. Puis je vais dire, ok, ça me plaît pas, ça, ça me plaît pas, ça, ça me plaît pas. En fait, je vais scroller, scroller, zapper. Et puis des fois, je reste un peu. Souvent, moi, mon téléphone, je me remarque, il s'approche de ma tête des fois. Je suis hyper prêt comme ça à regarder, regarder. Ça t'abrutit. Souvent, quand t'en sors d'ailleurs, la sensation que tu as quand tu sors du contenu court, c'est ça m'a fatigué, t'es un peu abruti, c'est pas du tout la même sensation que du contenu long. Une vidéo YouTube, des fois, elle me marque, des fois, elle me booste, et souvent, je m'en souviens la semaine. Tout ça pour vous dire que c'est logique que plus tard, YouTube va convertir plus. Convertir, ça veut dire, si vous faites 10 000 vues, vous vendez combien de produits par rapport à ce que vous proposez? Est-ce que vous vendez pour 1%, 2%, j'en sais rien. Donc, je savais très bien que YouTube était le nerf de la guerre, mais en même temps, YouTube devait dire maintenant le reveal. Je devais me montrer. Et je m'étais jamais montré en badminton, et même si j'étais passionné par ce monde-là, j'avais commencé ça il y a 2 ans et demi, bah, me montrer, j'avais raconté que des conneries, en fait, en badminton. J'étais monté avec des pranks en faisant du second degré, je m'en fichais. Là, du coup, ben, je me disais, bon, est-ce que je vais pas me faire tailler quand même? Parce qu'ils vont voir qui est derrière ces mascarades. Et bon, en fait, non, après, j'en ai eu un peu rien à faire. Donc, dans cette vidéo, donc c'était le 3e épisode, lui qui est sorti il y a 4 mois, donc le 19 avril 2024. Ah, bah, c'est là que je montrais qu'il y en avait qui me payaient 200 euros pour une miniature. Parce que vu que le compte Instagram, les réseaux courts, ça marchait bien, il y avait déjà des gens qui voulaient booster leur chaîne, ils voyaient que j'avais plus d'audience qu'eux, en fait, alors même que je venais juste d'arriver. Voilà, j'avais des petits revenus à droite à gauche, mais c'était pas un business stable et c'est pas du tout l'objectif
final. J'aurais jamais arrêté mon défi dès un an au bout de 4 mois parce qu'il y avait des micro-montants qui arrivaient. Non, mon but pour vous, quand je vous accompagne ou quand j'essaye de vous motiver sur YouTube, c'est que vous projetiez, que vous disiez, ok, je peux remplacer mon job demain. Si j'ai envie de faire que ça, c'est quoi le chemin précis? Qu'est-ce que je dois faire? Et surtout, vous ne devez pas vous habituer à vous contenter de micro-revenus 200€ par-ci ou par-là. Dans un an, c'est sûr, vous allez venir me voir en disant, bah, j'en ai fait 200€ par-ci par-là, mais là, ça vend plus, quoi. Donc voilà, on y est. Là, j'illustrais les deux premières vidéos. Donc le reveal, qui se cache derrière le compte Badak. J'avais fait 2000 vues, c'était déjà pas mal, hein, pour une première vidéo YouTube, c'était pas mal. Et les vidéos d'après, j'ai commencé à faire l'histoire. Donc j'ai fait mes techniques sur les réseaux pour que ça perce. Tout bêtement, je peux vous en partager quelques-unes, hein, les plus basiques, pour regarder chez les concurrents ce qui fonctionne. Donc j'ai essayé de faire des bonnes miniatures, des bons titres pour me démarquer de la concurrence, qui est, soyons honnêtes, pas très bonne. En YouTube, en marketing, j'ai un boulevard, ils font tout un peu à côté de la plaque. Donc là où j'ai été surpris, c'est l'audience. Je pensais pas qu'il y avait autant de milliers de personnes intéressées par le badminton, mais tant mieux pour nous. Donc là, 9000 vues sur la deuxième histoire, j'ai commencé une série, épisode 1, etc. Beaucoup de retours dans les commentaires, j'ai tout de suite vu que c'était qualifié, que les gens étaient intéressés et tout. Délire. D'ailleurs, je vous ai montré un petit peu les concurrents en quelque sorte, c'est-à-dire les gens qui sont sur le marché. Hein. Vous savez, en personal branding, il n'y a pas de concurrents. On peut être 100 000 sur le marché, on s'en fiche, les gens s'accrochent à une personne. Donc après, ils peuvent acheter chez 2, 3, 4, 5 personnes, mais le prix rentre même plus en compte quand vous vendez un produit par la suite, vu qu'ils sont accrochés à vous. Donc ils ont envie de tester vos produits. Donc voilà, il y avait deux vidéos réelles, hein. Ça c'était des anciennes vidéos que j'avais mises, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de miniature, il n'y a rien, c'était juste pour analyser mes matchs. Mais là, il y a eu deux vidéos qui ont été postées, on arrivait vers les 1000 abonnés, voilà, et aujourd'hui, je vais vous montrer. Hein. On est à 5600 abonnés sur la chaîne YouTube, donc ça monte, hein. Les 10 000 premiers abonnés, ils sont pas faciles à avoir. Et vous voyez les vues, il y en a une 4 jours, celle-ci, je vais vous en parler, 7000 vues, 9000 vues, 7000, 14000, 7000, 11000, 32000 vues, celle-ci. Donc j'ai trouvé un bon concept, 10000, 10000, 22000 vues, 10000 vues. Vous voyez, et le reveal était là, vous voyez, ça a commencé pile poil il y a 5 mois. Donc vraiment top, les shorts, pas mal aussi. Il y a des shorts qui ont pété à 1,3 million de vues. Donc on en était là, en avril 2024. Et le dernier épisode que je vous avais fait, c'était l'épisode 5, ce jour 152, l'heure de récolter l'argent de ce business en ligne. Donc là, c'était un peu, on fait les comptes, savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. On était à 18 800 abonnés sur Insta. D'ailleurs, il y en a 300 de moins en ce moment parce que, en fait, j'ai switché de contenu. Là, j'ai arrêté de faire du contenu où je repostais mes TikTok. J'ai fait du contenu qualifié. Donc ça a filtré un peu. Mais c'est très bien, le compte commence à repartir. Il a plus de 18 000 abonnés de gens qui sont intéressés pour voir du contenu éducatif. C'est ce qu'on veut pour pouvoir convertir par la suite. Donc je vous remontrais la chaîne YouTube. Donc là, ça avait avancé, 17 000 vues, 13 000 vues, etc. Je vous remettais des vocaux parce que tout le temps, je reçois des vocaux de partenariat, des gens qui veulent, et vous allez voir. Je vais peut-être vous en parler là ou plus tard, mais j'ai refusé tellement de partenaires parce que ça m'intéresse pas d'avoir des trucs gratuits ou quelques clopinettes. Je veux vraiment un vrai partenaire qui croit en moi et qui va me soutenir beaucoup dans les gros projets qui arrivent. Mais voilà, il m'offre des raquettes à 200 balles. Et donc, c'est d'ailleurs là qu'on a rédigé des emails pour envoyer à Decathlon, pour envoyer à d'autres marques, pour avoir des vrais partenariats. Parce que ça, c'est en cours et je peux pas vous en parler maintenant, mais il y a des vrais trucs qui sont en train de se faire dans les prochains mois et c'est pas des petits trucs où ils vous envoient des choses gratuitement ou autre. Ça risque d'être très très bon. Mais il faut du temps, il faut avoir la confiance de la marque, il faut faire des bonnes choses, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Donc maintenant, comment j'ai pu générer de l'argent avec la chaîne YouTube cette semaine? Alors que pour l'instant, j'ai pas de boutique en ligne, j'ai rien créé parce que je sais pas. Est-ce que je vends des raquettes? Est-ce que je vends des volants de badminton, etc.? Je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous montrer des statistiques e-commerce qui vendent grâce à la chaîne YouTube tout de suite. Et là, si vous comprenez le business sur internet, si vraiment vous étiez lucide sur tout ce que je vous ai dit avant, vous avez vu que c'est pas si compliqué. C'est-à-dire, le plan, je l'ai fait devant vous. À chaque fois, je vous ai fait un bilan tous les 3 mois pour vous dire j'ai fait TikTok, point. J'ai fait Instagram, point. J'ai fait YouTube, point. Et aujourd'hui, je vais vous dire voilà ce que j'ai fait dans une vidéo YouTube. Voilà les ventes que ça vient de faire. En termes d'étapes, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, je l'ai dit au début de la vidéo, à l'intérieur de ces étapes, la mise en place, c'est de l'expérience, c'est de la pratique. Empressez-vous d'échouer sur ces plateformes-là et vous allez avancer, vous inquiétez pas. C'est accessible pour tout le monde. Pas besoin de compétences techniques, vous l'avez déjà entendu plein de fois, pas besoin de budget de départ. Votre simple téléphone suffit. Oui, il y a une caméra qui est là. Oui, il y a une caméra qui est là. Oui, il y a un micro qui est là qui vaut cher, plus cher que ce que j'avais au départ. Oui, j'ai un bon ordinateur, je vais plus vite pour exporter mes montages. Mais j'avais pas ça au début. Au début, j'avais juste mon petit téléphone, c'est tout, un seul, et j'avais mon ordi. C'est lent, tu filmes, il y a des bugs, il y a des machins, c'est plus frustrant que si t'avais du bon matos. Mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que t'arrives à travailler, à publier, à pratiquer. Ça va marcher. Tu réinvestiras et ce sera ça le plaisir de réinvestir les sous que tu vas gagner en business dans ton matériel pour que ce soit plus confort. Donc on arrive en septembre. Enfin non, c'est cet été que le tournage a eu lieu. Et je me dis, faut tester la chaîne. Il faut tester, voir si ça convertit ou pas. Parce que moi, j'ai une idée d'une offre que je vais faire. Mais je vous ai dit, je peux pas vous en parler dans cette vidéo. Mais ça va sortir dans les prochains mois et ça va être un gros boom. Ça va peut-être être une des plus grosses sources de revenus que je vais pouvoir faire. Et personne va me voir venir, ça va être un délire. Et par stratégie marketing, etc. Bref, je vais pas en parler ici parce que il y a des curieux qui voient les oreilles bien pendues sur ma vidéo. Et je veux vraiment qu'ils tombent des nues quand ils verront tout ça. Plutôt qu'ils prennent un petit coup d'avance. Vous savez, le business, moi, c'est ça qui m'excite, que je kiffe. Hein. Mes concurrents,
concurrents, c'est pas mes ennemis, hein. Je les kiffe. C'est eux qui animent mes journées et qui me donnent l'adrénaline. Le business, c'est la guerre sans les armes. Et c'est ça, hein. Chacun le voit comme il veut. Après, tu peux faire ton petit business tranquille pour avoir ton complément de revenu, mais une fois que t'arrives à maîtriser tes marchés et à kiffer monter des business sur internet, bah, tu vois tes concurrents comme, je sais pas, ton joueur en face de toi, quoi. Donc voici ce que j'ai publié il y a 4 jours. J'ai testé toutes les raquettes de Badminton Yonex pour choisir la mienne. Et là, vous voyez qu'il y a un lien. Pour prendre ta raquette avec le code Antoine10, il y a un lien vers une boutique. Et c'est la boutique de mon pote. Et ce pote, vous le reconnaissez peut-être, c'est Joe. Je vous incite à aller voir sa chaîne si vous voulez, si vous kiffez le badminton. Il a fait une chaîne YouTube, il a aussi sa boutique. Mais Joe, c'est une superbe réussite, je vous en ai parlé, parce que je lui ai juste appris un peu TikTok, je lui ai montré. Et il a tellement explosé ses vues. Quand je vous dis exploser ses vues, c'est-à-dire 80 millions de vues, 100 millions de vues. Donc la TikTok monnaie qu'il a brassée derrière, je vous en parle pas. Elle est énorme. Et ça lui a permis, pas de s'acheter une Rolex ou d'aller flamber, je ne sais quoi. Il est pas idiot, il est allé investir dans sa nouvelle boutique, 100% bad. Vous le voyez au début, il avait fait des vlogs, enfin au début, hein, c'est il y a pas longtemps, hein, c'était en mars. Après qu'il ait touché toute sa TikTok monnaie, il allait faire une extension chez lui à côté pour faire son rêve, voilà, sa boutique de bad. Incroyable. Et donc il a un showroom magnifique avec des raquettes dedans et tout. Il a créé sa boutique Shopify, pareil. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, fais ta boutique Shopify. Enfin, le plan classique, il a fait son truc. Alors ce qui lui manque aujourd'hui, lui, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire la communauté YouTube qualifiée et tout, parce que là, c'est que pour de la TikTok monnaie. Il est en train de créer ça. Mais moi, je lui ai dit, c'est quoi, on va tester, voir si ça peut renvoyer, si tu peux avoir des ventes. Et moi, je vais pouvoir tester pour moi-même, savoir si demain je leur propose quelque chose, est-ce qu'ils sont réceptifs, est-ce que ça achète. C'est des raquettes à 200€, ça vaut cher, hein. C'est des achats réfléchis, c'est pas des petits volants de badminton pas cher, ça coûte très cher ces raquettes. Donc j'ai tout testé, on fait le renvoi, et le soir même, il m'envoie ça. Un screen où il y avait une vente toutes les heures, et il est comme un fou parce que sa boutique est réveillée, il avait pas fait de vente quasiment avant, et là, ça fait des ventes, et il voit la puissance du YouTube. Et c'est ce que je lui dis, bah c'est sur ta boutique, c'est-à-dire imagine, ça aurait été la mienne, ça aurait été antoinebadac.com, ça aurait été 1000 fois plus fort parce que je vous ai dit, c'est du personal branding, donc on s'attache à la personne qu'on suit, on lui fait confiance, ils me font confiance à moi. Donc là, ils achètent chez Joe parce que je fais passer Joe dans ma vidéo. Mais si c'était ma propre boutique, ça aurait été encore plus fort. Donc si Joe demain fait des vidéos YouTube et renvoie à sa boutique qu'il a créée, ça va être plus fort. Je le motive de cette manière. Moi, ça me permet d'avoir des statistiques pour les marques qui me font à moyen confiance, qui vont dire ouais, on veut bien te payer, mais on sait pas si ça va être rentable pour nous. Bam, je remonte les statistiques que j'ai fait avec quelqu'un d'autre. Et Joe n'est pas une marque connue en plus, c'est pas un magasin Decathlon ou un shop sur le marché. Donc ça veut vraiment dire que ça convertit fort et je suis vraiment content de pouvoir vous le prouver. C'est mon kiff sur cette chaîne YouTube business. Ce qui m'intéresse vraiment et ce qui m'anime, c'est de tester des trucs pour vous et de vous les présenter. Parce que d'un côté, bah moi je gagne des sous sur mes autres business, mes passions souvent. De l'autre, je peux vous former et tous les gens motivés qui comprennent ma vision peuvent venir me rejoindre et je vous aide, que ce soit à travers mes formations ou que ce soit mes coachings en one-one. Mais ça sera toute ma vie, je vais toujours vous documenter mes business et vous les montrer. Mais franchement, j'aimerais qu'on soit sincère entre vous et moi, vraiment. Est-ce que le business en ligne, et ce sera ma question du jour, est-ce que vous trouvez ça compliqué? Vraiment, juste en vous basant sur ma série de vidéos, vous basez pas sur vos expériences que vous avez pu essayer vous. Je suis pas derrière vous, pour la plupart, je vous ai pas vu, je sais pas, ça se trouve, vous poussez contre un mur et moi le premier, ça fait 9 ans que je fais ça. J'ai commencé à 19 ans et j'ai 28 ans, ça fait 9 ans. Dans ces 9 ans, il y a 3 ans, vous m'aurez posé la question, je vous aurais dit c'est méga dur, c'est compliqué, je poussais contre un mur, je mettais pas les bonnes actions en place. Mais vraiment, répondez à cette question honnêtement, en regardant mon défi et ce que je vous ai raconté dans cette vidéo, est-ce que ça paraît dur? Si votre réponse est oui, juste en vous basant là-dessus, expliquez-moi pourquoi, qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Et je répondrai à vos commentaires, je pense que beaucoup pourront confirmer que pour les revenus que ça peut générer, gagner des milliers d'euros en une soirée ou j'en sais rien, en renvoyant vers votre boutique ou la TikTok monnaie en plus les partenariats qu'on vous renvoie, etc. C'est beaucoup d'argent pour apprendre à maîtriser des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. C'est pas sorcier, je veux dire, votre vie, la vie en général est tellement plus compliquée. Faut aller à son même taf tous les jours, qui nous plaît pas, de 8h à 17h, aller voir le patron qu'on déteste, être sous contrainte, etc. Pour la plupart des gens qui aiment pas leur taf, hein. Y en a qui aiment bien faire ça, y en a qui aiment pas, enfin peu importe, mais je m'adresse à mon moi d'avant qui aimait pas faire ça. Franchement, oui, j'étais sûr de gagner mon salaire à la fin du mois, oui, j'avais pas besoin de réfléchir à ce que j'avais à faire vu que quelqu'un me le disait. Mais putain, quelle liberté j'avais pas et quel niveau de revenu bas, c'était un enfer. Ma vie était sous contrainte. Je trouve que la liberté, en tout cas de pouvoir gérer ton temps et la liberté aussi de gagner les revenus que tu as envie de gagner, bah elle est pas si inaccessible franchement quand on a des possibilités comme ça avec les réseaux. Et j'espère au plus profond de moi que ça vous le prouve, que c'est assez transparent pour vous et qu'il y aura toujours de toute façon un oui mais, il y a toujours un oui mais il avait déjà fait du badminton, oui mais il avait déjà l'expérience sur YouTube, oui mais tout ce que vous voulez. Mais la vérité c'est que tout le monde peut le faire. Moi le premier, je l'ai fait sur un sport que je pratique pas depuis que j'ai un an ou je ne sais quoi. Donc trouvez-vous les excuses que vous voulez pour les sceptiques, mais les gens motivés, j'espère que ça vous interpellera et que ça vous prouvera que c'est faisable. Réellement, c'est faisable. Alors oui, c'était l'épisode final de cette série parce que c'était l'objectif de pouvoir convertir avec cette audience. Et j'en ai eu la preuve aujourd'hui. La preuve qu'avec une boutique qui est même pas la mienne, je peux renvoyer et ça fait des ventes. Et faire une boutique, c'est tellement le plus simple, c'est tellement le plus kiffant. C'est ce que vous voulez tous faire le premier jour. Mais alors que vous voyez bien que ça se fait à la fin du game. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir les vues, le nerf de la guerre. Joe aujourd'hui, il peut pas vendre autant que ce que je viens de réussir à lui faire faire. Parce qu'il a fait le jeu un petit peu à l'envers. Pas tant que ça, mais un petit peu. Il a fait sa boutique un poil trop tôt. Il aurait dû d'abord apprendre à faire sa chaîne YouTube et à faire des vues de base pour ensuite ne jamais galérer à vendre. Parce que là, il va être toujours
toujours la tête entre sa boutique, devoir toujours l'entretenir, la mettre belle, etc. Et l'erreur, c'est qu'il va avoir l'impression de travailler en faisant ça. Il va se dire, ah, j'ai passé 3 heures sur la boutique, j'ai bien bossé. C'est ça, pousser contre un mur. Alors que faire 3 heures la chaîne YouTube tout le temps parce que t'as pas ta boutique associée pour l'instant, là t'avances vraiment. Parce que tu charges le trafic pour plus tard pouvoir vendre. Ça, c'est des vrais bons conseils, je vous assure. Et trop peu de gens sont au courant de tout ça. Donc il y aura plus d'épisodes sur cette série. Par contre, il y aura une nouvelle série en lien direct avec ça sur le produit que moi je vais proposer dans quelques mois. J'ai trop hâte. Ça va être un délire. Et même si c'est un gros flop, vous savez, je vous le partagerai. Ça fera mal parce que je perdrai beaucoup d'argent. Mais c'est pas grave, c'est le kiff. En business, l'argent ça va, ça vient, et le parcours à l'intérieur est trop kiffant. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao.